Et yo tout le monde, on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, petit concept des familles, voilà, qui a été plusieurs fois repris sur YouTube. On va, à chaque kill, on va échanger notre stuff avec celui de l'adversaire. Donc en tout cas, par exemple, si moi j'ai un pompe et une mitraillette et que mon adversaire avait une AR et une mini-pote, bah, j'enlèverai mon pompe et mon AR et je prendrai la mitraillette et la mini-pote de mon adversaire. Et du coup, la seule règle, c'est si mon adversaire n'a pas de stuff, par exemple il n'a rien ou il a que des balles, bah, bien évidemment je vais me balader à poil. C'est la seule règle que je m'impose, et j'ai le droit de choper des armes, de looter des armes que au spawn, parce que sinon automatiquement si je commence à fouiller les autres bâtiments etc en dehors du spawn, bien évidemment le concept ne sert plus à rien, et ça sert à rien de choper le stuff de mon adversaire si je m'en refais un à côté. Donc voilà, les deux seules règles, c'est ça, c'est si la personne n'a pas d'armes, bah je vais pas choper, je vais pas ne prendre ne pas d'armes, pardon, je ne vais pas prendre aucun stuff, c'est ça que je voulais dire. Et deuxième règle, voilà, si en dehors du spawn je n'ai pas le droit de choper du stuff. J'ai le droit d'ouvrir les coffres etc pour les balles, mais sinon je n'ai pas le droit de prendre des armes ou autre en dehors du spawn. Quand je suis encore dans le spawn, c'est bon. Par contre, une fois sorti du spawn, même si je reviens dans ce spawn là, j'ai pas le droit de reprendre des armes. Donc voilà, et j'espère qu'on réussira à faire top 1. Parti du coup pour cette game. Du coup, l'objectif est de chercher le médaillon, parce que du coup automatiquement, comme j'ai changé le stuff avec celui de mon adversaire, je ne sais pas si lui aura prévu du soin ou pas. Alors j'ai déjà essayé 2-3 games et ça s'annonce assez compliqué, parce que des fois, parce que je suis pas parti en ranked bien évidemment, donc des fois on va tomber contre des bots qui vont avoir rien comme stuff. Et on va tomber juste après contre un joueur. J'ai vraiment enchaîné 3 games où je suis tombé que contre des bots. Du coup j'avais leur stuff. Et juste après je tombais contre un vrai joueur et qui m'est déchiré, parce que du coup il avait un meilleur stuff que moi. Et du coup dans le contexte je pouvais pas trop l'attaquer. Ok, voyons voir, est-ce que ça va toucher le gars qui est en bas. Ah let's go. Je l'ai pas éliminé, donc c'est à dire qu'il est pas mort. Est-ce qu'on va éliminer en roquette quand même? Oh, il va mourir, c'est un bot. Et c'était pas un bot. Voilà, je laisse tout tomber. J'ai oublié les mini. Ah, ok. Oh, il avait quoi? Oh, il avait vraiment qu'une PM. C'est une stratégie comme une autre. Par contre, le fait qu'ils aient remis le lance-roquette, je trouve ça grave bien. Voilà, j'en parlais de ce lance-roquette hein, d'ailleurs. Je sais pas si c'est des bots du coup. Ok. J'ai recherché son stuff après du coup. Il avait quoi? Oh, il avait vraiment rien du tout quoi. Je peux tout jeter. Oh, il avait vraiment rien du tout. Hein. Oh, j'ai vraiment. Il avait rien du tout. Oh là là. Je peux pas essayer de planquer ça, genre. Ouais, non, je peux pas essayer de le planquer. Oh là là. Un gars, là, on est d'accord. Oh, c'est un bot. Je déteste ce viseur, hein, vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai pris des dégâts, on va manger, du coup. Et on va juste choper, voilà, tout simplement, ce qu'il avait. Il avait pas grand-chose. Il avait pas grand-chose, ok. Donc, c'était... Je pense que c'était un bot. Je pense que c'était un bot. Alors, ah, ça me retire dessus. Et j'ai même pas le bon viseur. C'est en plus, j'ai même pas le bon viseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Alors son bot, il va m'énerver parce que c'est l'un des meilleurs bots en plus. Frérot, tu fais quoi? Pourquoi ils montent autant les gens? Ah, j'ai ce viseur là. Ouah, j'aurais pu mettre une. Ouh. Ah, lui il a l'air d'être un peu plus chaud. J'ai rien dit. Oh, let's go.
Ouais, attends, alors là par contre je peux pas switch. Si c'est bon. J'essaie de me dépêcher de switch. Oh j'aurais pas dû switch. Ouais j'ai plus d'armes. Bah attendez, je vais reprendre mes armes à moi parce que du coup j'ai pas réussi à switch parce qu'il y a un gars qui est en train de me snipe. Il est redescendu. Il est pas redescendu. Qu'est-ce qu'il fait? Ça j'étais sûr qu'il allait faire ça. Oh dommage. Du coup on est parti pour la deuxième game. Donc alors moi je les enchaîne hein. Voyez, il y a vraiment pas de coupure. Comme vous le savez j'ai pas trop le temps de tourner les vidéos. Donc j'ai pas le temps de faire 25 games. J'ai juste le temps de faire 2-3 games d'essai quand même pour voir si c'était, enfin que c'était réalisable hein. Pour voir si c'était pas un mythe, c'est assez réalisable. En plus voilà on est en game normal, on n'est pas en classé donc ça va. Donc là comme vous voyez on est tombé sur un vrai joueur. Comparé aux autres, enfin comparé à avant où on était tombé sur, sur des bots. Par contre ouf. J'ai vraiment, vraiment c'est parce que là, il m'a poussé. Enfin, par contre la porte, il est arrivé, la porte m'a poussé quoi. Ça fait le taf quand même. Je peux mettre un mur là, ok, je savais pas. Ça fait deux fois qu'on vient là, je savais même pas qu'on pouvait mettre un mur là. Ouh, alors j'espère entre parenthèses. Oh, alors là. J'avais complètement oublié qu'il y avait ces tourelles là. Hein. Alors j'espère qu'il me tue. Non, j'espère tuer quelqu'un assez rapidement parce que du coup je pourrais rechercher le. Oh le 19. Oh frérot, je vais te chasser. Hein. Ouf. Oh bah il avait un pompe encore mieux que le mien. Oh il avait le truc ouais, qui vise automatiquement. Oh trop bien. Ouf. Oh c'est quoi ça? Oh, ok bah c'est pas du tout l'arme que j'ai attendu. Attendez ça il l'avait, ok. Oh sérieusement il avait qu'un pompe? Non c'est une vanne. Ah je l'ai pu. J'ai pu oublier. C'est encore un bot, nickel. Ok. Il a quoi? Ok, il a ça. Ok, donc il a rien du tout. Il y a du stuff à côté. Je prends juste les balles. J'ai pas le droit de choper ce qu'il a lui. Ok. Ah, il y a un. Il y a un gars. Ok. Oh, bah, c'est un bot. Ok. Ah, il a l'air d'avoir un peu plus de stuff, non? Ok. Ouais, il avait un. En vrai, il avait un vrai. Lui, il avait un vrai stuff. Donc, en vrai, franchement, je suis content. Oh, il m'a vu d'ici. Ouais, sauf que j'ai pas de viseur. Donc, je sais pas où je tire. Ok, c'est bon. Et. Ça contre pas. Ok. Ok. Nickel. Il a bien évidemment un stuff tout pété. Ah, nickel. Je suis en top 1. Dis-moi que t'avais un bon stuff. Ah, il est là-bas.
On chope tout. Il est où? Ok, il est là-bas. J'ai même pas mon stuff qui est arrangé. J'ai même pas de course, j'ai rien. Ah si, là. Ok. Ça peut le faire, je sais pas où il est. Ouh, la grosse balle. Oh, let's go. Non. Oh non, j'ai cru que c'est moi qui l'avais tué. Mais attendez, il a pris... Attends, quoi? Et du coup, bah voilà, petit top 2 pour finir la vidéo. Donc franchement, je suis dégoûté. En fait, j'ai cru que je l'avais tué. Mais alors, je sais pas quel dégât je lui ai mis. Du coup, je pensais avoir mis une grossette. Mais du coup, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas mis de tête. Hein. Mais voilà, petit top 2. Donc le concept est très sympa. J'ai un peu le seum parce que du coup, on n'a pas pu... On n'a pas pu faire top 1. Mais voilà, on a fait 9 kills sur la dernière. Donc ce qui est très... très très bien, on avait une petite entorse à la règle, voilà, pour les deux derniers kills, parce que bon, c'était deux bots, sauf que je pensais pas que l'autre était un autre bot, hein. Je voyais pas sur qui il tirait, mais voilà, et à la fin on est tombé bien évidemment sur sur un joueur. Par contre, ouais, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, il avait encore autant de vie, ou est-ce que c'était un bug d'affichage, je ne sais pas. Mais voilà, je suis très 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 content de cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Moi, je me suis amusé à tourner, franchement, parce que du coup, choper le stuff est très intéressant. Si vous aimez qu'on fasse des vidéos à thème ou concept, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Moi, franchement, ça me dérange pas. Et si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce genre, bah dites-moi le défi que vous voulez que je réalise en commentaire, par exemple sans toucher le sol, ou qu'avec des pompes, qu'avec des aères, ou qu'avec du heal. Donc voilà, que des choses comme ceci. Et du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, bien évidemment, comme je viens de vous le dire, de la liker parce que ça fait toujours plaisir, et aussi de la partager à vos amis pour qu'ils voient la vidéo. Si vous voulez aussi ne rien louper, activez la cloche de notification quand vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir, et comme ça au moins vous êtes alarmé quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Force Attack, allez, ciao tout le monde.